Hi everyone, welcome to our new video on HDE. Today we will go to interview some contributors to HDE. Bonjour Xavier et bienvenue dans notre réunion. Bonjour Manon. Alors donc merci d'accepter cet entretien aujourd'hui pour parler d'Horizen et plus particulièrement du HDE. Et donc tout d'abord, moi ce que j'aurais aimé te poser comme question, c'est comment est-ce que tu as connu le projet Horizen ? Alors, le projet Horizen, je l'ai connu par son côté masternode, en fait. Quand je me renseignais sur les masternodes, il y a Masternode Online et aussi Field Mining, une boîte française qui propose des masternodes. En fait, Horizen est toujours dans le haut, parce que généralement, c'est présenté par MarketCap. Donc, on a Dash et puis quasiment tout de suite Horizen, même si Divi est passé un petit peu devant ces derniers temps. Voilà. Donc, c'était par le côté masternode. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le projet aujourd'hui ? Alors, moi, ce que j'aime bien dans Horizen, c'est que c'est complet. C'est-à-dire qu'il y a Horizen, donc c'est une sidechain comme il en existe, une blockchain comme il en existe beaucoup, certes. Mais c'est vraiment un écosystème complet avec l'académie. Il y a une communauté sur Discord qui est super active en français et en anglais et d'autres langues. celles-là, je ne les ai pas fréquentées parce que je n'en parle pas beaucoup d'autres. Et voilà, c'est vraiment en fait le fait que ce ne soit pas juste un projet blockchain, mais que ce soit vraiment tout un écosystème. J'aime aussi les weekly insiders du jeudi. Enfin, on a des rapports sur ce qui est fait. Ça explique ce qu'est la blockchain, pourquoi ça existe, et on a l'impression de pouvoir suivre ce qui est fait au sein du projet avec les rapports fréquents, et c'est super excitant et c'est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier de tout ce qui tourne autour de la blockchain. Effectivement, oui. C'est vrai que j'aime bien ce côté très communautaire d'Horizen où tout le monde peut se parler. Enfin, tout le monde est très avenant les uns envers les autres, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Mais... Oui, et puis c'est pas un projet comme on en voit beaucoup en ce moment, sushi, pizza, hot dog, où c'est faire fois 100 en 3 jours et puis avoir un ExistCam. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un vrai projet derrière. Hein. Ça fait, je ne sais plus, c'est le projet doit avoir au moins 3 ans. 3 ans, oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on n'est pas sur de l'événementiel défi. Voilà, c'est pas juste un hashtag et un pump and dump. Effectivement, oui. Une vraie équipe avec des ingénieurs qui travaillent beaucoup. Oui. Et donc, par rapport au HDE, parce que tu as contribué au HDE, tu as été un des premiers à travailler dessus. Mm-hmm. Et donc, quand est-ce que tu as commencé à travailler donc, déjà, pour rappeler le HDE, c'est l'environnement de développeurs Horizen. Donc, c'est un site internet sur lequel on retrouve les repos GitHub et qu'on appelle la communauté à travailler dessus pour pouvoir récupérer des bounties. Donc toi, quand est-ce que tu as commencé à travailler dessus et pourquoi ? Alors en fait, moi, je suivais ce qui se passait dans l'écosystème Horizen et donc on attendait tous impatiemment l'arrivée des sidechains. Et en fait, la mise en place du HDE, ça a coïncidé à peu près avec l'arrivée des sidechains. Et il y avait donc une tâche qui, moi, m'intéressait, qui consistait à créer une première sidechain et faire un rapport détaillé. Donc, comme j'aime bien faire de la doc technique, je me suis dit que c'était l'occasion de combiner la découverte des sidechains, l'écriture d'une doc et en même temps prendre un petit bounty, ce qui fait toujours plaisir. C'est sûr. Et est-ce que tu peux nous montrer ton travail, si ça ne te dérange pas, et nous parler de quel a été le process, si jamais tu as rencontré des problèmes pendant que tu as monté ta sidechain, est-ce que tu as eu à contacter l'équipe ou la communauté ? Est-ce que tu peux nous montrer un peu tout ça ? Alors, donc moi, en fait, je travaille sur mon blog, donc mescrypto.fr. Donc, en fait, c'est un WordPress. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je commence par écrire les articles en Markdown dans Joplin. Joplin, c'est un éditeur de texte qui permet de synchroniser des choses via Nextcloud. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai les mêmes articles sur mon téléphone et sur mon PC. Et on peut faire un copier-coller directement dans WordPress.
qui est ça garde donc bah, tout ce qui est mise en page, image, etc. Ça, c'est pour la partie technique. Après, je ne sais pas bien dans quel ordre te dire les choses. J'imagine que la partie WordPress n'est pas très intéressante. Alors, attends, je vais essayer peut-être de partager mon écran. Voilà, normalement, on voit mon écran. Oui, je le vois très bien. Donc, voilà, donc là, c'était l'arrivée sur le HDI. D'ailleurs, oui, c'est pas en français pour l'instant, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, voilà, on communique tous en anglais pour la partie technique. Je suis bien content que la vidéo ne soit pas en anglais, par contre, merci. Je la traduirai, ça ira. Bon, donc en fait, pour s'inscrire sur le HDI, c'est assez simple. En fait, il faut avoir un compte sur GitHub. Il faut s'inscrire à HIP, qui est l'autre aspect développeur d'Horizon. Donc, c'est l'Early Adopter Programme. Ça permet d'avoir accès aux bêta, d'avoir accès à des webinaires exclusifs. Et c'est notamment là qu'il y aura le 10, la présentation de l'appli Lango Registry, qui est donc un exemple de customisation sidechain par l'équipe Horizon elle-même. Comme tu le sais. C'est une belle publicité. Voilà, non, mais je pense que c'est intéressant. Après, c'est vrai que l'horaire n'est pas forcément facile pour tout le monde parce que nous, en France, ça va faire du 7h du soir, je crois. Oui. Donc, c'est pile à l'heure où il faudra faire à manger pour la famille. Mais bon, on va enregistrer. Je suppose qu'il y aura... Il y aura un enregistrement, oui. Voilà, comme pour les rapports hebdomadaires que je regarde souvent après coup. Ouais. Ou à regarder avec les enfants. Hein. Faut les mettre dans le bain assez rapidement. Voilà, et moi j'ai été un petit peu dubitatif sur le fait que ça les intéresse quand même. Non, il faut séparer le travail et la famille. Donc, je reprends et je dis donc en fait, en gros, on a les tasks qui permettent d'avoir la liste de tout ce qu'il y a à faire en fait en ce moment. Donc, on en choisit une complètement au hasard, Create a New Sidechain. Puisqu'en fait, c'est celle-là à laquelle j'ai répondu. Donc, on a ce qu'il faut faire et les ressources pour commencer son travail. Et ensuite, tous les commentaires. Donc, en fait, l'astuce pour dire qu'on travaille dessous, c'est de descendre tout en bas et d'aller répondre en fait directement sur GitHub. Donc ici, hop, on arrive sur l'issue qui a été créée dans GitHub. Et pour dire qu'on travaille, en fait, il suffit de descendre tout en bas et de commenter ici. Pour dire qu'on commence à travailler. Suite à cela, l'équipe va mettre un tag WIP, donc Work in Progress, sur la tâche dans le HDI, pour dire qu'il y a des gens qui commencent à travailler dessus. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas ici, on peut en chercher. Voilà. Ici, par exemple, sur le bash script, si on a bien le tag WIP. Et le nombre de participants maximum, donc il peut y avoir jusqu'à 10 bash scripts, on va dire. Voilà. Ensuite, au niveau du fonctionnement, une fois qu'on a dit qu'on travaillait dessus, il faut aller dans GitHub. Et en fait, on va créer un clone de l'arborescence du code de façon à pouvoir l'éditer sur notre espace personnel GitHub. Et suite à ça, on pourra proposer un pull request. Donc, ça, je ne vais peut-être pas le faire en entier là, mais hein voilà. En fait, ici, on peut cloner. On le clone chez soi. Je ne sais pas si tu auras accès à ton pull request que tu avais fait du coup pour les sidechains. Sinon, on a celui de si. Donc, c'était voilà ça. Donc, fresh documentation. Donc, c'était la pull request 169. Hop. Et donc, dedans, il y avait en commit les trois fichiers. Ok. Hein, voilà, qui sont en fait juste la partie code de ce que j'ai publié sur mon blog. Donc, ça, d'accord. Par contre, c'est du. Voilà. Et ça, on va mettre les liens du blog en français, en anglais sous la vidéo. Il y aura les liens pour. Oui, c'est ça. D'ailleurs, merci beaucoup pour la traduction en anglais. Je t'en prie. C'était un plaisir à traduire. Merci. Donc, sur la page du pull request, là, on retrouve notre numéro de PR. C'est important parce qu'en fait, donc, c'est bien la PR 169 qui a servi à répondre à l'issue 151. Ici. D'accord. Et ça, on en a besoin après parce qu'une fois qu'on a terminé, qu'on a fait son pull request, etc.,
Il faut aller dans son compte HDE et faire claim Ubuntu. Et ici, il y a trois choses qui sont importantes. On dit de quelle base de code on est parti. Donc, moi, c'était le sidechain SDK. On doit saisir l'issue à laquelle on répond et le PR qui est censé y répondre. On peut ajouter des notes et ensuite son adresse. Et son adresse Zen. Ciao. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des adresses perso, mais bon. Voilà. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, on submit. Et on est recontacté ensuite par l'équipe pour la suite, pour dire si les modifications sont acceptées. Et on a la chance et le bonheur de recevoir le Punti dans son wallet, donc Sphere par exemple. Hein. Voilà. Et tu as eu ton Punti en rentrant de vacances récemment, du coup. Donc c'est ça, en rentrant de vacances, j'avais 15 Zen, donc plus d'un tiers de nouveaux masternodes. Voilà, donc j'aurai peut-être bientôt un masternode de plus. Tu les as montés toi-même d'ailleurs, tes masternodes ? Non, alors bah, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un autre article. En fait, pour les masternodes Zen, je les ai pris chez Pecunia. Oui. Voilà, donc j'avais fait un article, votre node Zen en moins de 20 minutes. Et montre en main, c'est le temps que ça prend. Et bon, pour le coût est sensiblement le même que pour les autres solutions. On doit être autour de 5 euros par mois, je crois. Donc, c'est tout à fait correct. Effectivement. Voilà. Je ne sais pas si tu as un mot à rajouter sur le HDI ou sur Horizon. Là, comme ça, je crois qu'on a bien fait le tour. C'est juste dire que l'initiative est super intéressante pour faire venir du monde dans le projet, encore plus de monde dans le projet. Et qu'on a tous une façon de contribuer parce qu'il y a du code, il y a de la documentation, il y a aussi du code HTML, hein. Il y a quelque chose pour rajouter des pop-up par exemple dans l'académie. Il y a déjà pas mal de monde qui travaille dessus, mais donc bon, en fait on peut vraiment participer quel que soit son domaine de compétence, et ça c'est chouette, quoi. C'est pas juste un truc de geek. Effectivement, c'est voilà. Bien de le souligner, oui. C'est pas que du Java, C++, et on n'est pas obligé d'avoir un doctorat en mathématiques pour contribuer au projet. Parfait, bah, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir. Et à bientôt. À bientôt.